te passe le bonjour. Vivant? Si tu l'avais tué, je t'en aurais pas voulu. Ouais, je suis en vie, bouffeur de curry de merde. Oh! Montrez-lui son nouveau chien. Qui a fait ça? Oh, putain de sauvage! Laissez-moi! Attendez, c'est mon téléphone! Et Jay, c'est mon téléphone dans ma poche arrière! J'ai besoin de mon téléphone, mec! Et Jay, s'il te plaît! S'il te plaît, j'ai besoin de mon téléphone! Lâchez-moi, bande d'enculeur de singe! Ashley! Ashley, chérie, papa est là! Merci, AJ. T'as vraiment fait le bon choix. On va s'occuper de Paul. On a un coin parfait pour lui. AJ! Maintenant que Paul n'est plus là, sa forteresse de Varshakot est vulnérable. Si j'étais toi, mon frère, je profiterais de la situation. Pour le Viagra partout. Ah, c'est vraiment ça nos priorités? Comptez plus longtemps? Dès que je
trouvera dans les blocs sauvages ou votre bonus qui trotte dans la main. Qui twerk. Il y a que ça partout. Tous les blogs parlent que de ça. Une pétasse qui t'agite le boule. Ça veut dire quoi tout ça? Et depuis quand ça twerk les gamines blanches qui se maigrichonnent? Si t'as pas le trifo, t'as pas le droit de twerker, point final. C'est vrai, merde. Surtout pour un petit plus grand que celui de ma copine. Mais il a la décence de pas me relever son cul sous le nez. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse pour attirer l'attention qu'on pirate. On se penche tous en avant et qu'on commence à twerker pour que les gens disent « Hey, c'est chaud la guerre civile aux pirates. T'as vu comment ils twerkent? Ils font bon mieux que dans tous les coins. J'ai envie d'envoyer un bouquin tout d'un coup. » Amita, est-ce que ça va? Tu crois que c'est facile? Je suis la première femme dans le Sentier d'Or. Celle qui veut le changement, alors que tous les autres parlent dans mon dos en prétendant qu'on détruit leur héritage. Je suis une guerrière, une Kirati, tout comme eux, mais eux, ils voient juste une femme. Tu es quelqu'un d'intelligent, AJ. Dis-moi, est-ce que j'ai la carrure pour ça? Sabal, il a tous ses partisans, et moi je me demande juste, ils sont aveugles? Ou bien, c'est moi? C'est moi qui comprends rien. Non, le doute, c'est pour les génias. Enfin bref. Tu te souviens de la plantation de thé? Le pavot, on l'a expédié à une vieille usine en briques où il sera traité. Sabal veut la détruire. Il est tellement sûr de lui. Mais tu préfères t'en emparer? Exactement. C'est tout ce qu'il nous faut pour construire notre avenir, pendant qu'il reste dans le passé. Quand je dis oui, il dit non. Mais j'espère que toi, tu sauras faire le bon choix. Sabal, Amita m'a parlé de l'usine de briques. Et je parie qu'elle t'a pleuré sur l'épaule. Est-ce qu'elle t'a raconté la triste histoire de la première femme du Sentier d'Or? Elle a essayé avec moi. Mais tu n'as pas marché, pas vrai, mon frère? Cette héroïne est un poison. C'est aussi simple que ça. Tue les hommes de Nour et détruis son usine. Fin de l'histoire. Tiens, sers-toi de ces explosifs dans le labo. J'ai tendance à faire cramer ce que je cuisine.
AJ, Sabal m'a dit de t'attendre. On a tous les explosifs que tu veux. Prends ce qu'il te faut et rejoins le Havildar sur la colline. Le Havildar. Havildar, sergent, comme tu veux. C'est un honneur, fils de Moad. Tu vois cette cheminée? Coupe les câbles de soutien pour la faire tomber. Ça devrait laisser un gros trou pour que tu puisses entrer. Je fais comment? C'est justement la question. Moi, je garderai les explosifs pour la cheminée et l'usine, et je prendrai les éléphants pour virer les treuils. Éclate-toi. Dernier câble. C'est bon, la cheminée est fragilisée.
Flinguez tous ces connards! Pour le roi Bin! En rouge! On se laissera pas faire! Madame Khan! Sabal, j'ai détruit l'usine de briques. Bonne nouvelle, mon frère. On nous empoisonnait, mais tu as compris la vision de Kira pour son peuple. Nous avons une chance de redevenir purs et unis avec la Terre. Les traditions vont revenir, grâce à toi, fils de Mohan. Du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Monsieur Gale, on vous observe depuis longtemps. Il est temps de se rencontrer. Vous trouverez plus d'instructions en arrivant à ses coordonnées. Ils savent que leurs jours sont comptés et ils n'en sont que plus téméraires. Soutenez Pagan Min et signalez toute activité du Sentier d'Or à son armée royale. Que la lumière de Pagan vous inonde. Thank you.
Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles? Oh oui, Pagan. Oh, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture, nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça, ton projet pour Badra? Oh, mais vas-y! Vas-y, montre à Edge ce que c'est, un vrai mâle! Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de Noor. Là, au moins, on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça. Il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tuées pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer. Comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Fait pour toi. Par contre, bienvenue dans ma boutique, le joyau du Kirat. Je vous ai pas combattre dans l'arène.
Famille. Je regrette, Noor. Non. Je regrette. Écoute, Pagan les a fait tuer il y a longtemps. Je ne veux pas de ta pitié. Je veux ma famille. Je veux qu'on me rende ma famille. Écoute,
Je suis désolé. Mais t'es libre. Libre. Libre de quoi? Des morts que j'ai infligées. De toutes mes actions. Je leur ai donné le goût du sang. De ton sang. Du mien. Ce n'est pas ce que vous voulez! Plus de sang! Donnez! Voilà! Prenez mon sang, bande de charognards! Maintenant, je suis libre. Sabal, c'est fait. Noor est morte. Le démon Yalung a des projets pour elle. Ne t'en fais pas pour ça. Beau travail, mon frère. Le Sud est enfin à nous, et le peuple commence à retrouver la foi, même si certains refusent d'apprendre. Mon frère, j'ai reçu des infos sur Agatawada, la forteresse de Noor. Ses défenses sont affaiblies depuis sa mort. Tu devrais préparer une attaque, et t'en emparer pour le Sentier d'Or. Tiens, viens pour fumer un peu de bon shit. Ah ouais. Et tu peux me croire, celui-là, il déchire complètement la tête. Il a un nom? Volcan. Ouais. Tu remarqueras même pas que tu t'es brûlé l'entrejambe avec ça. Hein? Oh, merde. Bon, ça me défonce pas vraiment. Ben, ton corps a quand même dû finir par s'habituer un peu. C'est pas grave. On va rajouter un peu d'ingrédients secrets. Thank you.
Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain?
respirer, Rana, en direct sur Radio Fikirat. Alors là, on plaisante plus. D'abord. AJ Gay. Ouais. Fils de Mohan Gay, chef des aînés du Sentier d'Or. Élevé par ta mère au Steak, de retour au Kirat pour ses dernières volontés. Vous êtes qui? Il saura jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour être un gentil et buter des méchants, pas pour poser des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras retourner jouer les Che Guevara des bacs à sable. Et puis, j'ai des infos pour toi. Allô? Vous êtes toujours là? Ah, super. Contre l'armée royale montre à quel point le Sentier d'Or est aux abois. Ils savent que leurs jours sont comptés et ils n'en sont que plus téméraires. Soutenez Pagan Min et signalez toute activité du Sentier d'Or à son armée royale. Que la lumière de Pagan vous inonde. Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain qui crèche à San Francisco. Pas d'alarme. Tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand t'auras fini, appelle.
Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain qui crève à San Francisco. Pas d'alarme. Tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand t'auras fini, appelle. On n'est pas tout seul. Je veux savoir qui a fait ça. Ouvrez l'œil. On ne sait pas ce qui nous attend. On sait d'où ça venait. Maintenant, trouvez-le. Restez sur vos gardes. Merde, il a filé.
C'est bon. Vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale! Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas! Hey, je sais que t'es encore dans le coin! Ça, c'était vraiment pas normal! Allez voir! Oui! Soyez discret! Essayez de trouver d'où ça vient! Restez attentifs! Je vois rien! Encore des rebelles qui viennent nous les briser! En position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, s'ouvre le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes. Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger.